les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour mes produits terminés. Il y en a énormément, on sent qu'il est blindé comme dame. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc on a fini le gel douche poire et cacao, c'était l'édition limitée de Noël et franchement, je l'ai adoré. Bon, mon fils l'a beaucoup mis dans le bain, j'étais dégoûtée, mais il sentait super bon et j'adore. Ça, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Donc, bah, on ne pourra pas racheter puisque c'est une édition limitée, mais on a beaucoup aimé. Après, on a fini un gel lavant pour les mains. Ça, j'avais trouvé ça à Noël chez Action. J'avais pris surtout pour le packaging, mais bon, ça fait son job, ça lave bien les mains et ça sentait. Il sentait bon, donc bon, ça, s'ils le refont, je le rachèterai sans souci. Après, on a fini, quoi, mes loulous ont fini ce que j'avais trouvé à Noz, shampoing et gel douche, quoi. Bon, c'était sympa, mais bon, c'est pas grandiose, hein. Mais bon, eux, ils ont bien aimé, vu que c'était Skylander, c'est, voilà, ils aiment bien. Après, j'ai fini ce gel douche de chez Action à la cerise et franchement, il sentait super bon et ça lève. Bon, c'est pas le super gel douche, mais ça va. Il était très compact par contre, mais bon, il moussait bien, et il lavait bien, donc pas de souci. Après, j'ai fini aussi un lave-main à la noix de coco. Par contre, celui-là, j'ai mis mes. Trop de temps à le finir. Je l'avais trouvé à Noz à 1,70€. Il sentait bon la noix de coco, mais je sais pas, ouais, j'ai cru qu'il allait jamais se terminer. Donc, ça, je sais pas si je rachèterai. Après, j'ai fini ce masque anti-dessèchement de chez Desange. Donc, ça, franchement, il est trop bien ce masque. Il démêle super bien les cheveux. Il vous fait vraiment les cheveux, mais tout doux après. Ça, c'est vraiment un de mes chouchous avec le rouge de chez Garnier, je crois, ou de Sange aussi. Franchement, c'est mes deux chouchous. Après, j'ai fini des petites lingettes comme ça que j'avais trouvées à Auchan pour mon fils. Bah, franchement, elles n'étaient pas terribles. Donc, je préfère encore prendre ceux que je prends d'habitude. Non, c'était où j'avais trouvé ça? À Leader Price, je crois, mais franchement, elles sont nulles. Donc, ça, je rachèterai pas. Je préfère prendre celle-là au champ, du coup. J'ai fini une lotion pour le corps que j'avais eu dans le swap avec Aurélie. C'était à la fleur. À la rose, oui, à la fleur, mais à la rose. J'aime bien l'odeur de la rose, mais là, c'était très entêtant. Ça sentait vraiment la rose. Donc, au bout d'un moment, on est un peu lassé. Donc, ça. Voilà. J'ai bien aimé, mais bon, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de la rose. Après, j'ai fini la lotion solution micellaire tout en un nettoie, démaquille, plus apaise, sans rinçage chez Garnier. Et ça, franchement, c'est une tuerie. Celle-là, c'est vraiment. Elle est trop bien. Donc, ça, je rachèterai sans problème. Après, j'ai fini ce mini format de gel douche de chez Yves Rocher à la noix de coco et bah, je m'en suis servi là ce soir. Il sent super bon, franchement j'adore. La noix de coco c'est vraiment mon odeur. Je rachèterai. J'ai fini ce déodorant de chez Ulrich de Varins que j'avais trouvé à Noz et franchement je les adore. Ils sentent super bon, j'avais fait un stock donc j'en ai plusieurs, mais ils sont trop bien pour 99 centimes, ils sont super bien. Donc ça, si je retrouve, j'en rachèterai. Après, on a fini cette crème de douche poire, caramel. Ça datait, hein, cette collection-là. Sentait super bon, donc ça, bon, on ne pourra pas racheter, donc voilà. Mais bon, moi, de toute façon, Yves Rocher, j'aime beaucoup, donc voilà. Après, j'ai fini le crâne berge et amande en petit format comme ceci. C'est la collection de Noël. Et celle-là aussi, c'est pareil. Je l'aime beaucoup. Elle sent super bon. C'est vraiment. Celle-là, je crois que c'est ma chouchou de la collection de Noël. J'ai fini mes disques de chez Action que j'adore, que je rachète tout le temps. Après, j'ai fini ce mascara de chez Lovely Girl.
Donc ce mascara que j'avais acheté à Portugal. Bon, il était pas mal hein, pour 1 € ou 1,50 €. Franchement, il était bien. Il recourbait bien les cils. C'était une brosse comme ça. Il était très bien. Donc ça, si je le retrouve. J'en ai un autre d'avance que j'avais eu dans un swap. Donc ça, après, si je le retrouve, je le prendrai. Après, j'ai fini ces lingettes que j'avais trouvées à Noz. Mais en fait, l'odeur était très forte quand même. Je pense qu'il y a beaucoup d'alcool là-dedans. Du coup, ça, si je retrouve, il y en avait beaucoup dedans. C'est vrai que c'était bien. Mais ouais, non, je pense que ça n'a pas trop convenu à mon loulou non plus. Donc voilà. Encore mes petits cotons chouchous de chez Action. Alors j'ai fini beaucoup de miniatures parce que j'en ai énormément. Donc là j'ai dit faut qu'on finisse parce que j'ai fini cette miniature de chez Yves Rocher, le pop exotique. Bah, je suis un peu déçue. J'ai beaucoup aimé parce que le packaging c'est ananas, mais l'odeur à l'intérieur, sans plus en fait. Donc ouais, je suis un peu déçue de l'odeur. Donc ça, voilà. On ne rachètera pas parce que ça n'existe plus. Et j'ai fini le gommage éclat fraîcheur, celui-ci. De chez Yves Rocher. Bon, il était pas mal, hein. J'ai bien aimé. Donc c'est en miniature, j'ai bien aimé. Donc ça, pourquoi pas racheter en grand. Après, j'ai fini bah, en petit le... Mais c'est le lait corporel cette fois-ci. Poire cacao, pareil, j'ai bien aimé. Ça hydratait super bien. Ça sentait super bon. Ça sent plus le cacao que la poire, mais ça sent super bon. J'ai fini cette crème de chez Yves Rocher. Franchement, celle-ci, je ne la rachèterai pas du tout. Elle était hyper grasse. Hydratation bof. Donc ça, non, pour moi, c'est un gros flop. Trop grasse. Et longtemps à sécher en plus. Donc ça, non. Je l'ai fini parce que moi, j'aime pas user les produits. Mais voilà, je ne rachèterai pas. J'ai fini ces lingettes de chez Huggies. Bon, ça, vous connaissez. Je vous en parle assez souvent. J'adore, je rachète et je rachèterai de chez... Action. J'ai fini un masque, je sais plus la marque, mais c'est de chez DM. Celui-là, je sais plus si je crois que celui-là, parce qu'il y en avait un transparent que j'ai pas trop aimé. Mais je sais pas si c'est. Non, je crois que c'est pas celui-là. Celui-là, j'ai bien aimé. Donc bon, moi je peux pas racheter parce que j'ai pas de DM, mais mes copinotes m'en envoient dans les swaps, donc c'est bien. Après, on a fini ce. Quoi, ils ont fini ce gel de chez Action. Ça, je le rachète et je le rachète tout le temps. Il est super bien. Il tient super bien. Il coûte pas très cher. Et il y a un grand format de 150 ml. Donc, ça, franchement, top. J'ai fini un gel douche Playboy Creaming Delicious. Bah, en fait, je suis plus trop fan des gels douche Playboy. J'en ai quelques-uns encore à finir, mais. C'est pas les meilleurs gels douche en fait. Hein. Franchement, l'odeur ça tient. C'est vite fait. Et, bon, ça mousse et tout ça. Mais si, ça a des bonnes odeurs. Mais je sais pas, je suis plus trop. Je suis plus fan. J'ai fini ce démaquillant yeux de chez Nivea. J'ai pas non plus adhéré de fou. Je trouvais que ça démaquillait pas de malade. Donc ça, pour moi, c'est un flop aussi. J'avais eu ça dans un swap avec Aurélie, je crois. Mais pas Aurélie, une autre Aurélie. Ouais, ça non, je ne rachèterai pas. C'est pas aimé du tout. Là, j'ai fini des petits. Quoi, mes loulous ont fini des cubes de bain. Bon, ça. Moi, c'est vrai que je suis un peu moins fan quand on connaît Lush. Mais bon, c'est toujours sympa. Ça sent bon. Voilà, ça fait un petit effet sympathique dans le bain. Il y en a encore. J'ai fini aussi le gel douche à la rose. Donc, hop, le gel douche, je trouvais que c'était. Bon, il sentait quand même la rose. Bon, c'est vrai qu'à bout d'un moment, la rose, j'aime bien, mais c'est vrai qu'en odeur de gel douche et tout, c'est pas non plus le top. J'ai fini ces lingettes pures de chez Noz que j'avais trouvé. Non, j'avais eu dans un swap. Ouais, moi, je m'en sers pas pour me démaquiller. Donc, oui, voilà, moi, je m'en sers. Quand je fais des swatchs ou autre, donc oui, très bien, j'achèterai s'il faut. Encore des cotons. Donc j'ai fini ce shampoing-là que j'avais eu dans la Glossy Box il y a super longtemps. Donc il était quand même bien. Il était simple. Il moussait bien. Il faisait les cheveux un peu doux.
Donc celui-là, je connaissais pas, mais c'est vrai qu'il est sympa. Donc pourquoi pas peut-être racheter. J'ai fini ce Dove. Moi, je m'en servais pour crème de douche, ouais. Et c'est vrai que les produits Dove, franchement, ils sont super bien pour la douche. Ça, j'adore. Ça fait vraiment une peau toute douce, toute propre, toute une peau de bébé, quoi. Franchement, les produits Dove, c'est top, top, top. Top, top, top. J'ai fini cette crème teintée effet naturel de chez Dr. Pierre Rico et celle-là, je l'ai mais adorée. Je l'ai vraiment super bien aimée, ça faisait un effet naturel et j'aime bien. Donc ça, bon, moi je connais pas, je connaissais pas Dr. Pierre Rico, donc pourquoi pas voir, voilà, mais racheter ou pas, je verrai. J'ai fini ce gel, non, ce dentifrice. De chez Signal, Intégral 8 Action Résist Plus. Oui, il est très bien. Je rachèterai, pourquoi pas. J'en avais acheté 3. J'avais trouvé ça à Noz. Il ne coûtait pas très cher, donc j'avais pris. J'ai fini ma poudre de chez Action que j'adore et que j'adore et que je rachète et que je rachèterai. Ça, c'est, vous la connaissez, c'est ma chouchou chouchou number one. Donc ça, pour 99 centimes, franchement, si vous ne l'avez pas essayé, allez l'essayer. J'ai encore fini un poire cacao de chez Yves Rocher en gel douche, en miniature. J'adore. Donc voilà, j'en ai fini beaucoup. Hein. J'ai fini le Manava, élixir de douceur, gel douche. Et celui-là, pareil, j'adore. Ils sont super bons. Ils moussent super bien. Ça, je rachète et je rachèterai. C'est mon petit côté poli. Oups, là voilà. C'est tombé. Ça, je rachète et je rachèterai. J'ai fini shampoing, soleil, à l'huile de mon œil. Oui, j'avais envie de soleil. Ça, une tuerie. Celui-là, il sent super bon. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, je rachèterai. Il sent super bon, le mon œil. On a fini encore un autre petit shampoing comme ça. Après, j'ai fini. Cela, j'aime bien de chez Noz. À 99 centimes, un gel lavant pour les mains au kiwi. Ça, ceux-là, je les rachète. Ils sont super bien. Ils moussent très bien. Et voilà. Ils font super bien leur job. On a fini un petit mignon, mignon. Un petit gel douche de chez Action. Shampoing, conditionneur. Ça fait les deux, quoi. Trop mignon. C'est mignon. De chez Action. Bon, ça, ils aiment bien, hein, franchement. Donc, ça, je rachèterai, hein. Ça lave, hein, c'est le principal. J'ai fini une crème pour le corps de ces The Body Shop à la rose. Ben là, vous voyez la rose, ça sentait pas vraiment la rose, pas aussi fort quoi. Donc ça, j'ai bien aimé. Ça, de toute façon, les petits pots comme ça, comme je vous le dis à chaque fois de ces The Body Shop, j'adore. Je kiffe ce format-là. Donc j'en ai eu encore d'avance et j'en achèterai. J'ai fini ces lingettes-là de chez Action. Elles sont pas mal aussi. J'avais voulu tester. Elles sont bien aussi. Donc ça, je rachèterai aussi. Elles sont toutes mignonnettes. Donc voilà. On a presque fini. J'ai fini aussi ce gel douche à la clémentine de chez The Body Shop. Elle sentait super, super bon. Elle sentait vraiment, mais la clémentine, vraiment, mais vraiment. Celui-ci, j'ai vraiment surkiffé. Même là. L'odeur, elle sent super bon. Ça, si je le retrouve, franchement, je le reprendrai. Il sent super bon. Donc, The Body Shop, j'adore, de toute façon. J'ai fini cette crème pour les mains au cranberry que j'avais trouvée chez Noz pour 1,25€. Et franchement, comment vous dire? Elles sont super bien. Elles ont un peu le packaging de l'Occitane. Mais franchement, elles sont top. J'en avais pris plusieurs senteurs aussi. Et franchement, moi, j'ai adoré. Donc ça c'est pareil, si je retrouverai, je rachèterai, mais j'en ai d'autres. Mais elles sont super bien. Elles hydratent très bien et elles font leur job. J'en ai fini beaucoup de crème pour les mains. Encore une autre crème pour les mains. C'est de chez Action. Ça j'ai bien aimé aussi. Elle hydratait bien. J'ai bien aimé. L'odeur sentait bon, je crois. Ouais, sentait bon. Ah oui, elle était pas trop. Elle est très compacte celle-ci. Donc c'est top parce que ça fait pas d'effet gras et tout ça. Celle-ci, elle est bien. Encore un petit cube pour le bain.
c'est de chez Yves Rocher, mangue coriandre. Après, on en a fini encore deux, framboise menthe poivrée. J'ai fini un petit crème de douche comme ceci à la fraise de chez Sephora. Et franchement, j'adore. C'est top. J'en ai quelques-uns à finir. Donc, je me suis dit, allez, toutes les miniatures, tous les trucs, j'ai voulu liquider un peu. J'ai fini ce douche gommant de chez Cottage à la violette que ma chérie Marilyn m'avait offert. Et franchement, je l'avais jamais testé. Mais j'adore et j'ai vu qu'il faisait pas. Je lui avais offert le kiwi, je ne l'ai pas testé. Donc, faudra que je le teste. Et je crois que j'ai vu une autre odeur, donc à tester. Donc, mais franchement, de toute façon, Cottage, j'adore. Vous savez mon amour pour Cottage. Mais franchement, ça sentait super bon. Et ça gommait très bien. Donc ça, à racheter. Après, j'ai fini ce dentifrice-là, Lumidant, que j'avais trouvé à Noz. Mais franchement, pour pas grand-chose. Mais franchement, pourri de chez pourri. Donc je l'ai fini, mais... Ça, je vous rachèterai pas du tout. Donc voilà, j'ai fini encore un petit tube pour le bain de chez Sephora à la vanille, donc ça on rachètera. J'ai fini Gnocchi Candel anis étoilé et orange. Si je fais tout tomber, c'est celle-ci. Bah sentait super bon, franchement j'ai bien aimé. Mais moi franchement, les celles que j'aime pas de chez Gnocchi Candel pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, donc je rachèterai. J'ai fini une bougie que j'avais trouvée à Stokomani, la Fresh Basic Cookies. Bon, il en reste beaucoup, vous voyez, elle se consomme pas super bien. Je vais essayer de la récupérer parce que franchement, c'est une tuerie. Ça sent vraiment le cookie, elle sent vraiment super bon. Je l'avais payé 3 euros, je crois, et vous voyez, c'est une grande contenance, 326 grammes, mais franchement, elle sent divinement bon. Ça y est, on a presque fini. J'ai fini. Ça, je vous l'avais déjà fait voir, la Yankee Candle à la pomme. Et celle-ci, elle sentait super bon aussi. J'ai fini un concealer de chez Essence que Sonia m'avait offert dans le swap. Et en fait, au début, j'avais hyper galéré à m'en servir. Et en fait, après, là, je ne sais pas s'il est vraiment fini ou pas. Mais je pense parce qu'il n'y a plus rien qui sort. Donc, voilà. Mais il était très bien en fait quand j'ai réussi à faire sortir le produit. Il était super bien. Donc merci pour ça. Mais du coup, c'est vrai que leur système n'est pas top. Donc voilà. Mais sinon, super bien. Merci, merci. J'ai fini cette boule pour le bain de chez Lush. C'était là. Je ne sais plus. La jaune. Ça, je l'aime beaucoup. La jaune, elle sent super bon. C'est la Twilight, je crois. Je ne suis pas sûre. Je vois plus rien. C'est ça qui est dommage dans leur truc, c'est qu'au bout d'un moment, on voit plus rien. Donc après, pour savoir, ben, on ne le sait plus. Donc voilà. Et mon mari a fini un parfum Armateur Paris. Il a bien aimé, donc ça, je ne sais plus où on l'avait trouvé. Mais bon, si on le retrouve, on le rachètera peut-être. Donc voilà pour mes produits terminés. Il y en avait beaucoup. Le sac était bien blindé. Ça y est, c'est fini. Donc voilà, on a visé beaucoup de miniatures cette fois-ci parce que j'avais envie de liquider les miniatures. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, bye bye!